Eh bien, salut tout le monde, ici Clad, et donc nous sommes en compagnie de Prodigy 59 sur ce Resident Evil 6 épisode 3. Coucou. Ouais, je sais que je m'appelle Elena Gomez, mais quand même. Moi, je te propose, c'est qu'on avance un peu. Je te propose, c'est que j'entends un grognement, et donc, vite se barrer. Bon, oui, on se barre le plus vite possible des égouts. De toute façon, c'est pas un endroit très très sympathique. Ouais. Le train il arrive de où? Il arrive pas de la droite celui-là? Il arrive de la voie de droite. Donc on doit se mettre vers la voie de gauche. C'est un cauchemar. Il arrive de derrière un train. Vas-y, continue. Un métro! Non? Voilà, il n'y a plus qu'à attendre en fait pour passer de côté. Ouais, je sais pas pourquoi, mais notre personnage est attiré vers le train si t'es trop près, c'est assez bizarre. Par la voie de droite. Ouais. Ok. Mais ça va que c'est que le métro il est pas trop long. Le passage du métro. Tout long, ouais. Ouais, ça va. Non, parce que. Je veux dire, il est sympa, mais bon, je veux dire, pour les viewers, la luminosité c'est pas ça. Surtout que YouTube, tu vois, va détruire tout ça, quoi. Que c'est la luminosité. Ah oui, tu veux pas les buter? Oh, celui-là, il était... Ah, il en est là. Oh putain, je vois tout le temps autant laguer. Ok, alors... Ah oui, faut que t'inspectes la porte avant que je puisse te faire sauter. Tu dis ça comme ça, c'est dégueulasse. Faut que t'inspectes la porte avant que je puisse te farce. Je vais plus parler, merci. Je pourrais l'ouvrir de l'intérieur. Je veux jeter un œil là-dedans. Aide-moi à monter. Je. Ouais. P.O. français. Me oui, je vais te monter, à monter. À te monter. Elena. Spirit, les talons féroces. Léon S. Kennedy. Bientôt sur vos écrans. Au secours, viol! Oh mon dieu, viol! Oh mon dieu, meurtre! C'est ce qui vient de se passer, un zombie vient de me sauter dessus. En gros, tu peux pas t'aider. Hein. Heureusement, je suis rentré à l'intérieur, j'avais les clés sur moi, je te l'avais pas dit. Fais attention. Ça souffle que de l'intérieur. Y'a un mec qui a crié. Une meuf. Non, c'était un mec. Il fait. Non, c'était une meuf. Je dois pas avoir le même son que moi. Le premier c'était un mec, le deuxième c'était une meuf. Non, moi c'était l'inverse, le premier c'était une meuf, le deuxième c'était un mec. Lui non. Attends, laisse-moi regarder. Il y en a pas dans ce wagon. Alors c'est dans le prochain. Oui, je connais par cœur le train. Ah non mais là. Après tout c'est le mien. Léon S. Kennedy, le blondiné. Là, il y en a un à droite. Lui, il est mort. Lui, par contre, il est pas à mort. Droite. Lui. Ouais. À droite, tu vois. Bien joué. Oh. Toi, tu me parais trop. Non, c'est bon. Lui, c'est rien qu'un cadavre. On n'en peut plus de deux zombies par train. Oh. J'ai rien dit. Ah non, ils viennent d'arriver. Ouais, eux, ils viennent d'arriver. Ils ont fait un spawn arrière. Les mecs, ils arrivent en guet-apens derrière nous. Le coup de derrière... Bah non, derrière... Lui, ça m'étonnerait. Par contre, toi... Disais. Voilà. Par là. Ah ouais. Il y a plus de pas. Putain. Ça fait du bien de faire du catch. Mais... Quoi? Il y a plus de passage de train, je crois. Hein. Là non. Si on a un, bah putain. Non. Ah non, non, c'est la sortie là. Lui, il est pas infecté. Il a un skin spécial. En fait, ils non, ont un skin. Y a aucun zombie ici. Bah heureusement, ils sont tous morts. T'as la meuf qui va... T'as la connasse là qui va ouvrir la porte. Bah qu'elle l'ouvre.
Oh cool, une bombe à pose, une bombe à retardement. Ah merde, j'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. J'ai appuyé sur le J'en bouton. J'en ai eu deux. J'ai deux bombes. Vous devez ouvrir cette porte. Vite. Je dois sauver Peter. S'il vous plaît. On n'atteindra jamais la cathédrale. Vite. Sauvons le pays imaginaire. Attends, j'ai essayé de l'ouvrir juste avant, ça a pas fonctionné, moi. Ok. Bon, laisse tomber. Banzai! Oh, tu t'es fait vomir dessus, mec. Ah ouais, il y a un vomisseur, j'ai oublié. Putain, mais il vomit pas dessus, c'est de l'acide. C'est lequel? Je tire dessus. C'est celui du haut. Putain, je... Putain, ce que je vais me prendre. Non, mais il y en avait deux. De vomisseurs. Merde. Je sais pas si t'as vu la merveilleuse action que j'ai fait. Non. Quand je... Avance, avance. Ah non, mais là, je suis en train de me faire... Regarde tes moules, il y en a d'autres. Non, mais je prends des soins, parce que là, réellement... Merde, attends, laisse-moi faire. Voilà. Ah, il y a des caisses. N'en fais pas des caisses. Vas-y. Ouh. On se doit des caisses. Fuck the police. Je te vois shooter dans le mur. Vous avez réussi. Vous pouvez accéder à la rue par ici. Alors, c'est comment là-haut? C'est pauvre. C'est vraiment pas terrible. On pourrait même dire... Mais non, c'est pas un enfer. Bon, chargement. Je coupe. Ah, merde. Eh bien, re tout le monde. On lance l'enregistrement. Là, c'est ce que je vais faire. Là. Quel menteur, là. C'est ce que j'ai fait, puis... Il ose... Ça m'interrompt. Il faut que vous traversiez ce quartier pour vous rendre à la cathédrale. Restez joignable au cas où vous... Oh, mon Dieu. Oh, merde. Oh, enculé. Oh. Arrête de vouloir leur tâtonner la gueule. Ah. Là, je crois qu'il y en a... Ouais, la voiture. Moi, j'ai l'impression que c'est... Prends tes médicaments. Bon, première leçon, me tourner dans la gueule, ça fait mal. Moi, je leur tatane la gueule. C'était violent. J'arrive. Putain, je leur éclate même pas la gueule, quoi. Courage, je vais vous aider. Courage, je vais vous aider. Poussez, madame, poussez. Quoi? Attends, y a un mec en moto qui est... Quoi? On passe comment? On s'en fout. Ah, par là. Vite, on n'a pas le temps de gérer ça. Putain, pour fuir, t'es le meilleur, quoi. T'es parti par où? Ah, j'ai pas vu l'échelle. Oh, t'as vu tous les zombies qu'il y a? Est-ce que je peux les tuer? Oui, tu peux. Bah, il meurt en un coup. Ah merde, d'accord, je le pose. Narpeur, je sais que t'es un peu... Voilà quoi, mais... On l'a chopé à deux en même temps. Ah non, mais là... Je te vois bugger, c'est magique. Les joies du multi, quoi. T'inquiète. Ouvrons cette porte, camarade. Plus tard, peut-être. En avant.
Bon, t'y arrives? Ça n'a aucun sens. Léon, ce n'est pas qu'une impression. Wow. Vite, vite, Elena, allons dans une ruelle sombre. Alors là, d'un seul coup, j'ai confiance. Oh putain. C'est bon, j'ai le fusil à pompe, de toute façon. Ça calme. Bon, ah oui, on l'avait déjà arrivé. Là, cool. Je sais pas si toi tu l'avais. Je te protège, vas-y. Monte à l'échelle. Hein? J'ouvrais les cases derrière. Ah d'accord. Bon. Poussez, madame. Ok. Encore une fois. Encore une fois. Bon, j'essaie de deux accouchements à la suite, c'est pas... Ça fait mal. Cette alarme va tous les faire appliquer. On vient de pousser une benne. Oh putain. Quoi? Mais ça veut rien dire ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Passer par là. Con. C'est parce que tu t'éloignes à chaque fois et qu'en fait il faut être à deux pour déclencher le machin. Et comme à chaque fois que j'avance et que toi tu traînes, bah je me prends les véhicules dans la gueule. Il y a le zombie qui va venir, hein, forcément. Je crois qu'il est très poli le zombie qui nous attend. Bonne idée. Vous serez beaucoup plus en sécurité à l'intérieur. Ok. Peut-être qu'on pourrait récupérer un peu. Oui. Je t'ai dit qu'on allait devoir faire vite. Ouais, enfin, oh, Elena Harper, tu te calmes. Je suis Elena Gomez, pas Elena Harper. On se fait un petit billard. Vas-y, viens. Hein, j'ai les boules pleines. Je sais pas, moi, j'ai... T'es dégueulasse. J'étais obligé d'écouter, c'est un billard américain, tu sais. C'est un billard américain. C'est un billard à pute, c'est surtout ça le truc. Bah, justement, okay. Tu t'appelles les narrateurs, hein. Je m'étonne. Putain. Moi, je détruis des caisses en shootant dans le mur, alors. Hein. T'as heureusement qu'ils ont caché plein de munitions dans ces caisses, hein, sinon on serait dans la merde. Non, mais imagine une seule seconde s'ils avaient pas mis des munitions. Regarde l'animation de la bouche. Une transmission faisant allusion à une attaque potentielle de la part d'une organisation ou d'un animal. Ils ont utilisé deux images. C'est ça, utilisé deux images. Oh mon dieu, Elena, regarde. C'est Thompson. Eh, j'ai envie de dire, ils sont morts comme ils avaient vécu. Assis dans leur fauteuil. Ah non, il sera mort comme il a vécu, assis dans son fauteuil. Et surtout en regardant la télé, quoi. Lui, il est vivant. Lui, il a croisé Desca. Il a croisé Desca, il s'est fait pénétrer. C'est fermé. Bon. Bon, on va chercher la clé. Heureusement qu'il y a un indicateur. Fais attention, c'est une Thompson. Tellement con. Thompson, fais pas le con. T'es pas marrant. Tu viens de tuer mon joujou, quoi. Fais pas le con, Thompson. T'as reste prévenu. Encore de l'espoir. Oh putain. T'avais dit qu'on était
J'ai Thompson, bordel. Tu m'as dit qu'il s'était fait pénétrer par Descom et lui aussi il essaie de me pénétrer, quoi. Mais c'était un Thompson. Alors lui, y'a rien du tout à nous passer? Non, non, celui-ci ah n'est non, pas un Thompson. Ah non, c'était à lui qu'on récupérait le fusil à pompe. Ah bon? Ouais, il me semble. D'accord. Je suis en train de regarder la scène. It can't kung fu fighting. Mon nom est Kung Fury. Bon, chatin. Écoute, c'est pas de... désolé pour ce dérangement et nous vous offrir ce repas. Je veux ton pistolet passe à terre, c'est magique. Un plomb. Tant plus, ils étaient en train de passer par le dessus à cause de toi. Il nous appelle. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit de viser la tête. Qu'est-ce que c'est? Mais bon, là, je crois qu'on visait. Oh, d'accord, c'est eux qui ont ouvert la porte comme des ongles sur un tableau. Bon, ok, nous avons. C'est comme des doigts sur un tableau. Le zombie était donc prof. Ah non, mais là. Ah, salaud. Il a pris cher. Hein? Qu'est-ce qui lui est sorti de sa gorge? C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle le dernier souffle. Il est puissant. On est là. C'est fermé. Mais on pourrait l'ouvrir par l'autre côté. Très bien. Tu crois que Léon pourrait t'aider à monter? Oui, il pourrait m'aider. Bon, vas-y, gauche, t'attends. Allez. Ouais. En fait, on l'a travaillé dans un cirque. Par contre, c'est pas techniquement impossible que je bouge à peine comme ça. Enfin, je sais pas, c'est... De les moins. Enfin. Oh, tu m'as brûlé. Voilà. Attends, laisse-moi ouvrir. Attends, bouge. Ah, merci. T'apprendre à me faire laguer, ouais. Ah oui, j'ai le fusil à pompe aussi. C'est dans le magasin d'en face, je crois qu'il y a l'emblème. Bon bah moi j'ai tué tous les zombies dehors. Ah ouais, c'est dans celui-là. Ça sert à rien. Je me souviens de ce passage. Alors il faut savoir que moi j'ai déjà fait le premier épisode. Donc c'est normal que je connais. Et auprès tout simplement lui il a fait tout le jeu. Donc lui c'est tout du tout. Des survivants. Donc du coup il faut savoir que moi je connais ça et après je suis largué quoi. Ouais. Donc c'est dans le bâtiment en face je crois qu'il y a l'emblème. Ça. Bon, voilà. Forcément, une référence à Resident Evil 2, hein. Ah, il fait que ça se situe à Raccoon City. Tout ça. Bah non, le flic en pleine invasion zombie dès son premier jour. C'est Léon. Léon qui arrive et qui dit « Ce sont des drogués !» Putain. Ah oui, c'est là où il y a le rouge-gorge qui monte sur... Oh putain. Le
Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez rester en vie, arrêtez de crier et tirer sur ces choses. Nous sommes surentraînés. J'ai rien pu faire, je me suis fait écraser par un camion. Mais c'est putain. Bon, continue la session. Ouais, on continue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non! Je ne peux pas mourir! Il faut les aider. Ok. Revenez, sale cannibale! D'où ils sortent, mon dieu! Et d'ailleurs, l'emblème, je crois qu'on peut. L'emblème, on peut tirer dessus que quand le camion y arrive, je crois. Ouais. Ah non, je le vois d'ici l'emblème. Tu vois ? On montre le viewer. Attends. J'ai cru le voir. Mais où ? Oubliez-le, il va vous faire tuer. Ah, par là. Oh. Voilà. Si vous voulez rester en vie, arrêtez de crier et tirez sur ces choses. Baissez la tête. Vous êtes fou, voilà. Vous savez manier une arme. C'est mon premier tour. Oh bordel. Troisième fois que je me prends un camion. Tiens, prends tes médicaments. Merci, Elena. Il m'aura que le camion, le hurleur. Ouais. Tirez sur l'essence. On peut renvoyer ces choses en enfer. Coucou, tirez. Je m'éloigne avant. Je préfère tirer. Vas-y, c'est bon, j'étais bien. Venez, c'est moi. Je connais une armurerie. Ah, ça y est, là on voit l'emblème, regarde. Et il y aura sans doute d'autres. Que la fenêtre, elle a été pétée. Ouais, non, mais je sais, je l'ai déjà fait en fait. C'était trop long, donc j'ai déjà fait. Merde. J'ai perdu l'endroit. Non mais t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Ouais. Ouais bref, de toute façon on le voit dans la cinématique donc Non non mais t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Ouais. C'est par où ou c'est par là? Ouais c'est par là. Juste avant. Ah ah. Je n'ai pas d'herbe rouge. Bon bah tant pis. Ça fait combien de temps là l'épisode? Ah ça fait déjà une vingtaine de minutes hein. Ouais. Et bien sur ce, moi je vous dis à plus pour cet épisode de Resident Evil CS, l'épisode 3. Hein. Et on se retrouve pour l'épisode 4 et on essaiera de finir l'épisode 1 tout simplement de la série Léon et Elena Gomez. J'ai le chapitre 1. Elena Harper, même si je... ouais. Donc bien évidemment, sur ce je vous dis à plus. Hein, le truc habituel, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner à la chaîne. Bon, ça, on s'en fout. Allez, hop! Sur ce, je vous dis à plus. On s'en fout. Le mec.